on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Excusez-moi, j'ai oublié un truc, mais je vais juste faire ça comme ça. Juste histoire qu'il n'y ait pas de bruit de partout. Donc on se retrouve sur une nouvelle map pour une petite visite guidée, je la connais pas. Donc c'est vers Zem. Donc c'est une map que j'ai téléchargée il y a un bout de temps déjà. Mais en gros que j'avais pas faite. Voilà, en gros parce que à la base quand je l'ai téléchargée je pouvais pas aller dessus. Et puis là bah elle a voulu. Bon. Donc on va se faire une petite visite guidée. Franchement je vous dis je la connais pas. On se fera un petit déjeuner aussi ensemble si ça vous plaît pas. parce qu'en gros voilà, on va commencer tout de suite. Juste histoire le temps que vous regardiez un peu. Bah il n'y a pas grand chose à regarder mais. Bon. Ah bien à toi. Donc c'est une petite tranche de pain de mie au chocolat. Et j'ai du café au lait parce que j'ai pas assez de café donc j'ai rajouté du lait. J'aime pas trop mais bon. Pour tremper mon café dedans. C'est bon. Donc voilà. Il dit bonjour. Oui, je connais. Ah, on a déjà un Ursus, je crois. C'est pas mal. Le truc, c'est que je pensais vous présenter autre chose. Parce que hier soir, j'ai téléchargé une map et tout. Et ok. Franchement elle est plutôt pas mal ça. Oh, on a déjà du matos forestier et tout. J'ai chapeau hein, franchement. Oh putain j'en ai foutu pas. Oh chaussure moi. Pas mal déjà. Vous avez rien vu. Je suis propre. Moi oui je suis propre. On a mis un peu plus ça. On va se battre. Ok. Ok. Ok, bon, on va prendre. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Le petit Ursus? Allez, on prend le petit Ursus. On a le Cocorico là. On a un semoir ici. Je sais pas si vraiment cette map m'attire beaucoup. Je ferai un. Une ou deux vidéos dessus. Alors, pour l'instant en tout cas c'est pas le cas mais bon on va voir ce que ça donne. Donc là il y a un cultivateur. Ok, un truc qui sert à rien parce qu'en gros je voulais télécharger j'ai téléchargé une map qui ne marche pas du tout. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est une map qui est sur mode2015.com. En gros, elle. Mais le truc, c'est qu'elle fonctionnait pas du tout. Donc. C'est pour l'essence. Là-bas, il y a les silos, je pense, en bas. Bon. Vous ne tenez pas rigueur. Hein, je descends, je fais de l'escalade avec le tracteur. Ça se fait. Bah, moi, je vais m'inventer. Donc là on a les petits hangars, hein, c'est plutôt sympathique. Ouais. De toute façon si j'ai cette map ça veut dire qu'il l'a trouvé plutôt sympa. Ah il y a encore un tracteur avec un autochargeur. Ok. Tiens quoi c'est quoi ce qu'il y a au milieu là. Ah, il doit y avoir les vaches ou je sais pas, oui tiens encore tout droit il y a les vaches. Là il y a le fumier, ok. Donc par contre le fumier il se fait tout seul, je crois. Parce qu'il n'y a pas d'entrée, j'ai l'impression, à part pour les vaches. Donc voilà, on va se faire. Vraiment, je vais faire une pas trop longue vidéo dessus. Là on va visiter un peu la map et tout. Et après on verra. Je sais pas quoi. On fera quelque chose. C'est un cul-de-sac. Je suis dans un cul-de-sac les gars. Ah non peut-être pas. C'est un truc qui souffle ça. Non, je pense que c'est pas un truc qui souffle. Ok. Ça c'est un truc qui est pas joli joli ça. C'est pas bon.
pas moi du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît le petit café au lait avec la brioche et tout. C'était sympathique. Parce que je l'ai eu gratos, donc autant la manger en vidéo, c'est plus sympathique. Bon, je vais sans parler. Voilà, après on va. Moi je veux visiter cette map, voir ce qu'elle a dans le bide. De principe, mais pas trop non plus. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a au plus profond de ses entrailles. Là, on a une petite route sympathique. Ah. Franchement, quand même, cette map est plutôt jolie, je trouve. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que franchement, elle est jolie, je la trouve jolie. Wow. Elle est peut-être pas aussi jolie. Franchement, ma préférée, c'est quand même la seule et l'unique, c'est Belgique profonde. Mais celle-là est plutôt pas mal non plus. Et je vous dis clairement, en fait, si je l'ai prise, c'est vrai qu'elle me plaisait déjà à la base. Donc, quand je l'ai vue sur le site internet, donc c'est vrai que ça change pas beaucoup de ce que j'en pensais. Mais bon, je l'avais jamais essayé alors que ça fait un bout de temps que je l'ai téléchargé. Par contre, je pense que c'est en fait dans le jeu. Mais sur la map, avec la map. Mais si vous avez. Oh là, il y a un petit lag, un gros lag. Allez, arrête de laguer. Si vous voulez, si vous avez cette map plutôt, à chaque fois que vous allez la charger, vous allez avoir. Au début de quand vous démarrez votre partie, vous allez avoir le bruit d'un aigle. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas, je sais rien en fait. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, en gros c'est ça fait bizarre. Mais bon, ça change, c'est sympathique. Là, on revient au niveau des vaches, des bogla. Et voilà, et après on va. Voilà, en gros j'ai fait une petite visite guidée de cette map. Je sais pas encore si je. En fait en gros, je vous donne mon avis, elle est jolie, mais je suis pas encore sûr à 100% de faire des vidéos dessus. Mais bon, on verra bien. Je vous dis clairement, on verra bien. Pour l'instant, c'est en plus ou moins bonne voie, on va dire. Après, je sais pas ce qui vous plairait en fait sur Farming Simulator 2015, un petit ensilage du blé ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, on verra bien, c'est vraiment tout con, mais on va pas se faire chier avec ça. Pour l'instant, c'est vrai que. Oh, arrête de bugger là, c'est pas possible, j'ai tout coupé. Voilà. Donc voilà, on va finir ça tranquillement. Putain, il y a un truc qui me choque là en fait. À quelle heure on a commencé bien dans le jeu en fait? Parce que le truc c'est que ça fait que 10 minutes et il n'y a que 3 minutes qui ont dû passer je pense. Ça me paraît un peu bizarre en x5. De toute façon c'est pas grave. Moi je veux visiter un peu. Si vous connaissez cette map franchement, moi franchement je la connais pas, je vous dis clairement. Elle me paraît plutôt pas mal. Elle me ferait plutôt penser à un truc du style Euro Truck, un truc comme ça. C'est un peu semblable quand même, hein, un Euro Truck et tout le monde. Bon, moi je vous dis, j'aime pas les conventions, j'aime pas les lois, j'aime rien. Allez hop, on dépasse tout ce merdier là. Hop, on peut pas chier.
Après, ce qui me fait chier, c'est les trucs qui fonctionnent pas. Ça me casse un peu les couilles, on va dire. Bon, ça va, je vais juste un peu pousser sur le côté. Hop, il y a un truc là, sur la droite, sur la gauche, sur la droite. Ah ouais, en gros, c'est juste une petite clairière, non? Ah non, une petite cabane au fond du jardin. Une petite cabane au fond du jardin. J'y vais quand j'en ai besoin. Avec. Oh, des chiottes, j'ai besoin d'y aller. Oh, motherfucker. Donc là, on a les WC portatifs. On a vraiment pas mal de choses, c'est plutôt sympathique. Tac, 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 on va faire demi-tour. Donc cette map a l'air plutôt sympa quand même. Alors attendez, on a fait... en fait on n'a rien fait en fait. Donc attendez-moi. Moi comme vous le savez, j'aime pas trop suivre en fait les tracés bordel. Donc on va couper un peu si c'est possible, parce que le truc c'est que il y a des montagnes normalement. Enfin, selon la minimap, il y a des montagnes. Après, est-ce qu'on va pouvoir les gravir, les montagnes? Bon, là, je le fais exprès. Mais, oulala, 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 oulala. Ouais, ça va, tranquille. Bon, alors, aujourd'hui, on fait beaucoup de off-road. À peu près, hein, j'avais que je m'emmerdais un peu de faire des trucs basiques. Donc, aujourd'hui, ça va être visite off-road, on va dire. Franchement, déjà, bon, les montagnes sont pas trop mal, on va dire. Là, et merde, tu pensais. T'as vu ça? Non? J'aurais mieux fait de prendre celui. Je sais pas si ça aurait changé grand chose, mais bon. Celui qui. Wow! Oh, là, je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Bon, vous avez rien vu. Ouais. Bon, bah, on va prendre celui-là, il est bien, je pense. Ah, mais en fait, non, on a tout vu. Il n'y a qu'un truc qu'on n'a pas vu, je pense. Il n'y a qu'un truc qu'on n'a pas vu, je pense, c'est l'usine de biogaz. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Parce que j'ai envie de voir ce à quoi ça correspond, ce que ça peut bien être. Ok. Faut passer sur la ligne du chemin de fer. C'est quoi ce bordel? Bon, je sais que là, je joue un peu le suicidaire. Je sais. Je sais aussi que... Non, en fait, je crois qu'il y a une route à côté. Hein. Pas une route à côté. Ça me choque un peu en fait de. Oh, c'est une route là-bas. Ok. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette map. J'aime bien, mais bon, elle est pas. Elle est trop fermée, en gros, il y a trop de... À mon avis, c'est pas un truc que je trouve dégueulasse non plus, je l'aime bien. Il y a peut-être un peu trop ce côté campagne, on va dire. Parce qu'on va dire que dans Farming 2004, la map de base, il y a une petite partie quand même. Comme ça, on va réfléchir un peu, c'est quoi déjà la map de base. Il me semble qu'il y a un petit côté un petit côté ville ou village, on va dire, même pas ville, c'est village, alors que là c'est vraiment
campagne et tout est éparpillé un peu n'importe comment, on va dire. Enfin, un peu n'importe où. Putain, il y a une butte là aussi. Il y a des murs invisibles, les gars. Sérieux? Je peux plus avancer. Donc voilà, déjà un bug. C'est quoi cette connerie encore? Il y a un petit bug de texture, on va dire. Ouais, vous avez rien vu, j'ai un peu traversé le champ. Donc on va aller à l'usine de biogaz. Après on va prendre une autre petite tranche de brioche. Et après on va se quitter. Donc je joue toujours le suicidaire, hein, je m'en fous. Rien à foutre. Moi je suis toujours dit, rien à foutre. Non, tu connais que tu dis ça, monsieur. Donc voilà, hop. Waouh. C'est parce que j'ai pas bu assez de café, c'est ça. Là on a encore le petit pèse personne, là le pèse machin, on a les silos. Oh, ils ont changé un truc je crois. Attends, un ou deux. Ça il me semble que c'était un mode à la base dans le 2013 dans le cube. Ouais c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Donc ouais c'est pas mal, franchement on a un bon petit truc là, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, on a visité toute la map, donc je vous propose finir cette petite vidéo par une petite tranche de brioche aux pépites de chocolat. Comme vous voyez ici. Du goulash. Je couche sur moi. Je dirais que froid, c'est limite l'air chaud. Donc voilà, je suis en cette petite vidéo. Je suis en cette fin de petite vidéo. Très sympathique. Je vous souhaite à deux d'avoir passé un bon moment en ma compagnie. Et tout le bazar, quoi, on va dire. D'habitude. Et puis aussi, je voulais vous dire un autre truc, parce que c'est vrai que je le dis pas souvent, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, Twitter et Google+, qui sont dans la description ci-dessous. Donc voilà, franchement, ça me ferait plaisir qu'on puisse partager pas mal de choses et tout. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur Facebook, un petit follow sur Twitter et à peu près la même chose sur Google+. Même si Google+, je m'en fous un peu, c'est pas le plus grand réseau social du monde, mais ça fait plaisir. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et à plus, ciao!